Je suis Christian Graff, je suis chercheur enseignant la biologie pour les sciences humaines. Je travaille sur les boucles de perception et d'action chez les animaux et chez les humains. Et je co-dirige l'axe rythmologie avec Luc Wadinski. Bon, en trois mots, c'est rythme, fluet et rencontre. Rythmologie, c'est d'abord un groupe de chercheurs, de citoyens, de professionnels, des artistes qui sont prêts à échanger, qui sont prêts à sortir de leur discipline et qui se réunissent d'abord hebdomadairement, toutes les semaines, pour des discussions informelles et puis de se retrouver pour des conférences mensuelles, des conférences beaucoup plus formelles où un orateur amène ce qui, dans sa discipline, peut instruire sur les rythmes, et les rythmes dans un sens qui n'est pas figé de celui de la régularité, mais qui est dans le mouvement, dans tout ce qui est la transformation, l'évolution, le développement. Alors, plus ou moins qu'un objectif, nous faisons un pari. Le pari de l'interdisciplinarité, ou comme dirait Luc, de l'indisciplinarité, le pari que le rythme, au sens large, comme manière de fluer, offre des clés de lecture, et des clés d'écriture aussi, des clés de fabrique, sur le monde qui change, avec des concepts que nous essayons d'affiner, mais qui dépassent les concepts classiques d'harmonie, d'entraînement, pour rentrer dans l'embrayage, pour rentrer dans la confluence, rentrer dans la rupture, les valeurs, la désagrégation, le développement, et que ces concepts résonnent chacun dans sa discipline et chacun aussi dans son vécu. Eh bien, pendant longtemps, les rythmes s'accéléraient, le monde allait de plus en plus vite. Maintenant, il est de plus en plus incertain, de plus en plus inattendu. Et dans ces contours à redéfinir, l'individu, le groupe, les institutions ont besoin d'indices pour se repérer, ils ont besoin d'un vocabulaire pour échanger, pour se situer, pour agir, pour contrôler et pour travailler ensemble. Alors les grands changements nous ont apporté de nouvelles barrières, mais aussi des nouvelles possibilités de liens à distance. N'est-ce pas, Luc ? Merci Christian, je crois que le rythme c'est aussi et surtout une posture, un ouvert, la possibilité d'une rencontre. Cette rencontre c'est celle que nous avons organisée avec succès à distance pendant la pandémie, c'est celle que nous poursuivons aujourd'hui, toujours à distance mais aussi en présentiel, autour d'une idée simple, chère au philosophe Henri Maldinet. Exister, c'est être devant de soi dans la rencontre. Soyez toutes et tous les bienvenus à ces séminaires rythmologiques.